Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci, merci d'avoir choisi Lancefoot pour démarrer votre soirée. Nous sommes le lundi 21 novembre, il est 19h36 et on va donc découvrir ensemble la Dream Team de ce soir pour cette émission Lancefoot un petit peu spéciale. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. On va accueillir... Norman. Bonsoir Cyril, bonsoir messieurs dames. Allez, regardez, et attention, mon Norman, le retour du patron. Ah. Le boss, Jean-Guy Wallem. Salut mon Jean-Guy. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Guy. Ah, je suis content de te revoir mon poulet. Ouais. Ouais, ça fait un moment. Je t'ai pas occupé, mais voilà. Donc, prenez un peu de recul. C'est bien, ouais, je prenais un peu de recul par rapport à ma situation. On est très heureux de te revoir parmi nous dans Lancefoot et je sais que les supporters également et tous les fidèles de Lancefoot apprécient ce retour. Alors là, voilà l'aventurier des réseaux sociaux, celui qui se promène partout. Regardez, il est là. Alors déjà, il commence bien. Ah merde, merde. Ah, alors, ouais. J'avais un doute, je ne savais plus. C'était, ouais. Tu vois, ça fait tellement longtemps que… À la répète, c'était bon pourtant. Hein. Rémi Buisine de Brut, comment il va mon Rémi? Bonsoir, bah écoute, ça va et vous les gars? Ça va très bien. Très bien. On est content de t'avoir, avec nous. Pour un retour également, ça faisait quelques temps qu'on t'avait pas eu là. Bah je crois, ouais, ça remonte. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que je ne me ferai pas expulser avant la fin de l'émission. Il y a des chances, je te le dis, il y a des chances. Parce que c'est toi. Bon les amis, Lancefoot. Spécial. Donc, on s'est dit, voilà, puisqu'on est en pause Coupe du Monde, forcément. Qui dit pause Coupe du Monde dit Lancefoot Coupe du Monde. On va parler tout à l'heure des Bleus, bien évidemment. On va suivre l'équipe de France tout au long de ce mondial. Avec le prochain match, on va essayer de se projeter sur le match qui aura lieu demain face à l'Australie. Mais avant, on a voulu essayer de faire une espèce de petits bilans de cette première partie de saison, les copains, puisque c'est parti. Donc, 15 journées déjà ont été jouées par le Racing Club de Lens et 15 magnifiques journées. On a voulu donc récompenser avec les Lens Foot d'or, donc le meilleur défenseur central. On va, alors regardez, on va tout de suite mettre les petites animations. Regardez, donc là, déjà, Lens Foot d'or spécial défenseur central. On vous a demandé donc de voter sur les réseaux sociaux parmi donc les trois défenseurs Medina, Danso, Grady. Le choix était très, en tout cas pas facile on va dire, mais vous avez voté sur les réseaux sociaux et on saura dans quelques secondes qui a été Lancefoot d'or défenseur central. Déjà, vous avez votre petite idée là messieurs? Ah, je mettrai un petit billet moi, ouais. Sur qui? Oh. Ah, sur celui qui je pense. Mais la semaine dernière déjà, l'émission, on avait donné notre avis, moi je ne le change pas. J'avais dit Kevin Danso, on verra ce que les auditeurs ont dit. Voilà, vous pouvez y aller également en commentaire, vous nous regardez en direct sur Facebook, YouTube et Twitch. On a également le lance-foot d'or du défenseur, du latéral, entre Machado, Frankowski et Jimmy Cabot. On aura le lance-foot d'or du milieu de terrain avec donc ces trois joueurs. On aura Fofana, Samed et Da Costa. Et puis le lance-foot d'or, les copains, ça je vous l'ai déjà mis, l'attaquant. Voilà. On aura l'attaquant avec Sotoka, Saïd et Openda. Jean-Guy, tu mets une pièce sur qui là? Sur le lance-foot d'or attaquant? Bah, sur celui, comme les autres, on en parlait, qui aura pas le plus progressé parce qu'il a de l'expérience, mais celui qui a été le plus efficace pour moi dans le ratio efficacité et occasion. Donc Sotoka. Ok, on verra tout à l'heure si les supporters ont voté Sotoka. Et puis. Il est où Buxa là? Hey, j'avais envie de très bonne vanne, très bonne vanne. Danton. et le lance-foot d'or du plus beau match de ces 15 premières journées. On vous a mis le Lens-Lorient. On vous a mis également, qu'est-ce qu'il y avait? On avait le Monaco-Lens. Et l'autre match, c'est qui? Je ne sais même plus. Marseille, non? Bah, c'est qui? Plus beau. En plus beau match. On vous a mis Marseille. Et regarde en bas à droite, là, c'est qui ça?
En bas au milieu. À droite, c'est Rennes, non? Marseille. C'est Rennes. Ouais, c'est Rennes. Je crois que c'est Rennes. On va regarder ça tout à l'heure. Bon, vous nous dites sur vos commentaires. On va tout de suite démarrer, les amis, avec donc le lance-foot d'or spécial, donc défenseur central. Alors, attention. On va déjà, alors, j'aimerais vous entendre, vous. Donc, tout à l'heure, tu disais Danso. Jean-Guy, tu mets une pièce sur qui? Les trois sont difficilement à mettre à part, quoi, parce que c'est déjà une unité, une cohésion des trois garçons qui jouent vraiment dans l'axe. Ouais. Mais comme je l'ai dit précédemment, je pense que chacun pouvait être sur le top. Mais celui qui a la plus progressé, pour moi, des trois, c'est Kevin Danso. Alors, on nous précise que c'est Rennes. Voilà. C'est Rennes, lance Rennes. Dans les plus beaux matchs de ces 15 premières journées. Donc, attention, le lance-foot d'or, les amis. C'est parti. Il est attribué à... Kevin Danso, lance-foot d'or, défenseur central. Regardez, unanimité. Alors là, ouais, non, mais c'est énorme. 86% des supporters ont voté. Donc, Kevin Danso, 5% pour Grady et 8% pour Medina. C'est tout simplement énorme. Jean-Guy? Oui, moi, je parle de progression parce que sur l'année précédente, même s'il a fait une belle saison, je trouve que sa caractéristique première, qui est son physique quand même malgré tout, dans l'impact, on le voyait pas trop, il se cherchait un peu. Et là, je trouve qu'il a vraiment progressé dans son placement, dans l'anticipation, dans la lecture du jeu. Et en plus, par moments, dans la relance. Donc, Medina, on le connaît, il a lui aussi progressé, notamment dans le fait qu'il fasse peut-être un peu moins d'erreurs sur les matchs. Des fois, il nous en faisait une de temps en temps. Grady a été aussi suspendu ou blessé. Donc, la régularité et pour moi la progression fait que Kevin Danso a été élu. Et en plus, je ne sais plus s'il en a marqué deux ou trois, mais à chaque fois qu'il est monté, il a fait du bien puisqu'il a mis deux trois coups de tronche sur les corners ou les coups de pied arrêtés. Jean-Guy, ouais, c'est normal, c'est, pardon. Ouais, c'est vrai que je rejoins totalement Jean-Guy. C'est le joueur qui affiche la plus grosse progression quand même depuis qu'il est arrivé, même si il y avait des bases, on sentait qu'il y avait du potentiel. Il a pris une dimension, je trouve, depuis le début de saison, une sérénité. Il se trouve parfaitement bien dans ce collectif. Et en plus, maintenant, effectivement, il monte sur les coups de pied arrêtés, il est décisif. On le voit, je me souviens d'un but de la tête à Bollard. Et ensuite, il a de mémoire, c'est lui qui donne la passe D sur le deuxième but à Angers. Donc c'est un joueur qui est en train de prendre une dimension, je pense qu'on n'imagine pas, parce que pour moi c'est un des tout meilleurs défenseurs centraux du championnat de France actuellement. Rémi? Impressionnant, je pense que quasiment tout a été dit déjà, mais c'est vrai que la marge de progression de ce joueur en l'espace d'un an et demi, elle est impressionnante. Moi je me souviens, quand il est arrivé, on se souvient tous de sa période compliquée qu'il avait eue en début d'année 2022, et puis même, il y avait une adaptation à se faire au championnat de Ligue 1. C'est un jeune joueur, et avec le travail du staff technique remarquable, parce qu'en fait, quand on regarde la progression de Danso, c'est pas le seul. Il y a énormément de joueurs qui ont énormément progressé en quelques années. On a même l'impression qu'il y a des joueurs qu'on a vus en 2020 qui sont pas les mêmes en 2022. Danso, c'est la même chose. C'est une progression qui est impressionnante, au point d'en faire un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Enfin, moi, je me souviens du match au Vélodrome. S'il n'y a pas Kevin Danso à la mi-temps, on est à 2-0 pour Marseille. Il permet à Lens de pouvoir rester dans les clous et puis au final d'aller marquer ce but. Donc il a énormément apporté de sérénité et permis de franchir un cap au Racing d'un point de vue défensif et d'en faire l'une des tout meilleures défenses de Ligue 1. Et ça va faire partie des joueurs qui seront sûrement très sollicités en fin de saison, peut-être même dès janvier. Il y a Armenaï qui fait peut-être la barrière de la langue d'ailleurs, qui fait que Kevin Danso s'est amélioré un an après. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que Jean-Guy, c'est important ça, la barrière de la langue peut freiner une progression pour un joueur. Oui, alors à l'inverse, comme tu dis, les habitudes et les repères font qu'il a progressé certainement à ce niveau-là, mais bon, en plus dans une situation vraiment axiale. Bon, alors, c'est trois axiaux, mais lui, il est vraiment au cœur de cette défense. Donc, je pense aussi que le gardien a apporté aussi cette sérénité et peut-être que c'est un collectif qui fait qu'aujourd'hui, il s'est rassuré. On le sent quand même. Je crois que c'est Norman qui a dit ça, sur une sérénité beaucoup plus accomplie depuis le début de saison. Ouais.
Bon, en tout cas, il n'y a pas eu photo. Danso récompensé, donc Lens Foot d'or, défenseur central. Tiens, on a Kevin qui nous fait, qu'est-ce qu'il dit Kevin? Le RC Lens est en négociation avec Ken Nkouba, ailier droit de Charleroi, international espoir belge. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé là sur lensois.com. Ce sera encore une bonne pioche pour ce joueur polyvalent, tout le flanc, mais aussi en attaque et intelligent. Un petit mot, messieurs, sur cette info transfert, enfin rumeur transfert, Norman. Ouais, moi j'ai regardé un peu, c'est un profil plutôt de latéral. Il est plutôt piston. Piston, ouais, vraiment piston sur le côté droit, plutôt qu'attaquant pur. On a besoin de joueurs à ce poste-là. C'est un beau profil, hein, il est très jeune, 20 ans. Alors je m'interroge, il vient de re-signer cet été avec son club. Ouais. Voilà, après des rumeurs, je pense que le mercato n'est pas encore commencé. On est à plus d'un mois du début du mercato. Je pense qu'on va pouvoir en faire toutes les semaines, que ce soit sur les arrivées ou les départs. Mais effectivement, après, bon, il y a Openda, ça peut se permettre de dire aussi qu'il y a un compatriote qui est là. On n'est pas loin de la Belgique. Après la filière polonaise, peut-être la filière belge. Oui, on appellera, tiens, j'essaierai de passer un petit coup de fil avant la fin de l'émission, si on peut l'avoir, Guillaume Gillet. Il va nous parler de son compatriote belge, s'il a des petites infos sur lui. On a eu un... Vas-y, Rémi. Très vite, mais au niveau des rumeurs, il faut se dire un truc, c'est qu'en général, quand il y a des choses qui sortent dans les médias, c'est rarement les joueurs qu'on signe au final, parce que des fois, il y a des noms qui sortent comme ça, c'est les agents qui veulent les sortir pour que leurs joueurs soient mis en avant. C'est un joueur où l'été dernier, on parlait de Strasbourg et Lille-Dessus, et étonnamment, c'est des clubs qui ont servi un peu pour que le joueur renégocie son contrat derrière. Donc des fois, on peut se dire, est-ce que c'est pas un peu l'idée de faire monter les enchères, parce que Lens travaille dans une énorme discrétion. Je dis pas que c'est une fausse rumeur, hein, j'ai pas d'informations concrètes là-dessus, mais on voit souvent que les joueurs qui sont signés, c'est rarement les noms qu'on voit 3-4 semaines avant. Des fois, on les voit même quand ils signent, vous voyez à peine un article dans l'équipe une heure avant, alors que deux heures avant, vous ignorez l'existence du joueur. Message, tiens, on va faire un petit tour du côté des messages. Hé, carton jaune, c'est Sylvie qui nous dit carton jaune pour Rémi. Il était avec son portable. T'étais en train de commander Uber Eats ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de faire tes courses chez Leclerc d'arrive, non? Non, chez Lidl, là, j'ai presque fini, là, donc voilà. Mais t'es en pleine émission, tu surfais sur le net. Tu me connais. Comment à boire à Norman, parce qu'il a rien à boire. Ouais, dans mon quartier. Alors, pour la petite histoire, parce qu'on vous dit tout, moi j'aime bien vous raconter les coulisses de l'émission. Norman est en déplacement, il est à Paris, voilà, et il n'arrive pas à se commander une petite boisson. Et c'est la grosse galère pour recevoir des trucs. Je suis dans un quartier où il est interdit d'acheter de l'alcool après 17h à emporter, même dans un hypermarché. Arrête, t'es où exactement? Il est au Qatar. Près de la gare du Nord. Ah. Bon, il y a moyen de trouver au fin fond de l'épicerie. Bon, hé. Envoie-lui les bons plans. S'il y a des Parisiens, amenez-moi une bière. Envoie-lui les bons plans par SMS, Rémi, et arrête et pose-moi ton portable, sinon t'as carton. J'écris tout de suite. Voilà, ouais, sinon t'as carton rouge. Lens Foot d'or, les amis, on y va. Qui a été élu Lens Foot d'or latéral pour ses 15 premières journées? Réponse maintenant, c'est parti. On y va ou pas? On y va. Allez, on y va, c'est parti. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas du tout ça. Va falloir bouger. Il va falloir bouger un petit peu. Lens Foot d'or. Donc, qu'est-ce qu'on... Ah oui, latéral. Donc, c'est parti. Latéral, on y va. Ah ouais. Daver Machado, élu donc Lens Foot d'or latéral. Alors là, il y a eu un peu plus de bataille. Concernant le latéral plutôt que par rapport au centraux. Frankowski 29%, Cabot 23% et donc 47%. Machado, messieurs, est-ce que vous auriez mis également, est-ce que vous auriez voté Machado ou pas Norman? Mais je pense que ça joue sur l'irrégularité de Frankowski, Cabot. Frankowski à gauche a fait un début de saison plutôt moyen. Cabot a eu du mal à prendre le poste de titulaire ensuite quand il s'est blessé. Donc Machado bénéficie de ça parce que je pense qu'un Frankowski des 2-3 derniers matchs, il serait certainement un peu plus haut dans les sondages. Et un Cabot qui n'aurait pas été blessé, aurait fait toute la première partie de saison, aurait été plus haut. Pour autant, Machado, moi je trouve que c'est pareil, on parlait de progression tout à l'heure, c'est un joueur qui a littéralement explosé, on l'a vu déjà en fin de saison dernière sur les 3-4 derniers matchs, il avait livré des prestations de très haut niveau. Il a fait 13 matchs,
un but, une passe D. Moi, je le trouve extrêmement intéressant sur le côté gauche. Il a une capacité à faire les allers-retours et à faire un petit peu le travail qui est assez impressionnante. Donc, ça ne me surprend pas, voilà, pour ce que j'ai dit par rapport à Frankowski Machado. Même si, pour moi, il y aurait eu bataille si Cabo avait été titulaire tout le début de championnat. Mami, Jordi. C'est une très belle révélation, parce que c'est vrai que l'année dernière, il a été assez timide sur ses entrées. On avait été un peu déçus finalement, puis sa blessure aussi qui l'avait ralenti. Et c'est un joueur qui finalement, sur la fin de saison, Lens avait des très bons résultats, a fini la saison en boulet de canon. Et donc du coup, il n'avait pas la confiance. Et c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. On voit que c'est un joueur qui a besoin de confiance. Et aujourd'hui, son potentiel, il est superbement exploité. C'est un joueur généreux, battant, qui est dans l'effort, puis qui a aussi technique. Enfin, vraiment, c'est une révélation, on peut dire, côté Lensois, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui arrive sur le tard aussi, qui, il y a encore un an, était, je crois, à 26 ans en Ligue 2 avec Toulouse, qui avait joué en Belgique auparavant, mais sans faire non plus des saisons exceptionnelles. Donc encore une fois, c'est un beau coup de la cellule de recrutement qui se révèle un petit peu plus tard. Mais on est dans une saison où, finalement, Machado, on peut le considérer comme une recrue par rapport à la saison dernière. Après, ça joue à peu de choses, parce que c'est lui qui a eu la plus grande régularité depuis le début de saison, mais on peut aussi dire que Frankowski a fini la première partie de saison en boulet de canon, et on peut dire que Jimmy Cabo, qui était à la base recruté dans un rôle de doublure, a été excellent quand il a eu sa chance. Jean-Guy ? Ouais, et Rémi disait de la confiance, mais je pense aussi le rythme. C'est un garçon qui a un volume de jeu important, Norman l'a dit. Et je pense que le fait d'être titulaire, et je pense qu'il l'a gagné, puisqu'il a mis un peu mon Frankowski sur le côté. Frankowski était peut-être dans le dur, mais je pense qu'au-delà de la confiance, c'est un garçon qui a besoin de rythme, qui a besoin de répéter les matchs pour justement donner la valeur maximale qu'il peut donner sur ce terrain, sur le flanc gauche notamment. Je regarde un petit peu les différents messages là de supporters. Vous répondez, vous commentez bien évidemment l'émission Lens Foot directement en commentaire sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch également. Tiens, on a un message de Golgoth Lensois qui fait « Machado est tellement une révélation, à aucun moment je pensais qu'il allait être à ce niveau-là, vu les blessures répétitives, l'an dernier ». On a Lensois qui fait normalement ça aurait été largement Cabo, mais malheureusement il s'est blessé et c'est bien dommageable pour l'équipe, même si à côté on en a d'autres comme Machado ou Frankowski. On a un petit message, je viens de recevoir un message de Sylvain Charlet par SMS. Il me dit Rémi Buzine, il me dit poteau, Rémi, je vous dis le SMS, il est en train de te gruger parce que tout à l'heure il écrivait des SMS en cachet. Il planquait son smartphone pour écrire des SMS. Non, c'est... Il est où ? Il n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le Sylvain. Ah, tu m'as pris pour un jambon ou quoi ? À la balance. C'est fou. Mais il n'y a rien. Regardez, j'ai les mains libres. Attention. Bon, Lens Foot d'or, donc défenseur latéral attribué donc à Machado. Défenseur, Lens Foot d'or, milieu de terrain. Les copains, un petit pronostic ? Donc, entre Abdoul Samed, bien évidemment, Fofana et Da Costa. Pour vous, Jean-Guy, tu mettrais une pièce sur qui ? Bon, je pense que les supporters vont mettre Fofana, mais moi, je mettrais Abdoul Samed parce que lui, c'est aussi une révélation pour moi. Remplacer Ducouré, alors peut-être que ça va être lui, hein, mais remplacer Ducouré, ce n'était pas facile. On attendait beaucoup de ce remplacement et il l'a très bien fait. Franchement, c'est un peu un homme de l'ombre, mais je trouve qu'il a fait vraiment jeu égal avec ce qu'on attendait. Voilà. Jean-Guy, je suis désolé de te couper. Rémi Buzine, tu es en train de nous prendre pour un con. Non, mais t'es en train d'écrire. Donc tu sais quoi, allez, hop, prison. Non mais sans déconner. Allez, hop. Non mais oh, ça va bien, ouais. Tu reviendras dans 2 minutes. Le Lens Foot d'or, les amis, spécial milieu de terrain. On y va, c'est parti. Qui a été Lens Foot d'or milieu de terrain entre Fofana et Salis Abdoul Samed. Et alors regarde Jean-Guy, tu vas être surpris parce que tu disais à l'instant « Ah, ça va être Fofana, les supporters vont voter Fofana ». Eh bien non, 78% ont voté Abdoul Samed.
Deuxième, donc, Fofana avec 15% et 5% pour Da Costa. Jean-Guy, première réaction sur ce résultat du lance foot d'or milieu de terrain. Bah, c'est ce que j'avais argumenté là-dessus juste avant, donc c'est très bien. Je pense qu'ils ont été dans le sens de mes arguments, à savoir vraiment une révélation et une grosse attente par rapport à Ducouré qui avait quitté le club. Donc forcément, ça laissait une place vide et très importante à combler, et il l'a comblé avec satisfaction. Je suis rassuré parce que on a effectivement Fofana qui a un rôle un peu plus visible dans l'équipe, qui avait fait un très bon début de saison, qui a eu un peu de moins bien, qui revient fort sur les deux, trois derniers matchs. Pour autant, moi je rejoins Jean-Guy, la plus grosse inquiétude du mercato d'été, ça avait été pour moi le départ de Ducouré, parce que c'était vraiment le patron du milieu et c'était le régulateur du milieu défensif. Et Samed est arrivé, il a totalement fait oublier Ducouré. Il a renvoyé quand même Patrick Berg chez lui. Et en deux, trois matchs, même amicaux, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Et moi, je pense sincèrement que Abdoul Samed est meilleur, en tout cas plus complet et plus intéressant que l'était Ducouré, c'est-à-dire quand même le chemin qui est parcouru. Donc, c'est pas étonnant. Et ensuite, pour Pereira da Costa, malheureusement, je l'ai trouvé assez irrégulier en début de saison. Il a eu des prestations très intéressantes, il est jeune, il a encore besoin de se façonner, il a été un peu sanctionné deux, trois fois sur le banc, donc effectivement un peu moins visible. Le résultat ne m'étonne pas et me rassure plutôt sur la qualité du coup des gens qui ont voté. On va quand même faire rentrer... notre ami Rémi Buzyn. Ah, du coup, tu as sorti Jean-Guy. Ah ouais, j'ai sorti Jean-Guy. Il y a Rémi. Rémi, je vais parler des mains en l'air. Je vais parler des mains en l'air. J'ai bien aimé. Regarde, il y a Rémi qui fait. Rémi reçoit des nudes. C'est pour ça qu'il regarde son téléphone ce coup. Écoutez, j'aimerais bien, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. non, alors, bah, non, mais. En fait, ce que je trouve assez impressionnant, c'est, souvenez-vous, le séisme, enfin, ça a été quand Cheikh Doucouré est parti, chouchou des supporters, joueur maillon essentiel du retour du Racing au haut niveau. 5 mois plus tard, on n'en parle même plus. Franchement, je pense que ça veut tout dire. Je veux dire, pour moi, Salis Abdoul Samed est plus complet que Cheikh Doucouré. Il est aussi rentré dans le cœur des supporters parce qu'on le voit sur les images, c'est un animateur du vestiaire, c'est, je pense, aussi un maillon fort de cette bonne ambiance qui règne entre les joueurs, parce qu'on le voit, c'est un joueur plein d'entrain, de bonne humeur. Mais oui, il est complet. Et moi, j'ai vu aussi sa première sélection là, avec l'équipe du Ghana. Et on voit vraiment tout le potentiel du joueur. Donc, encore une fois, c'est une bonne pioche. Parce que clairement, quand on voit Salis Abdoul Samed arriver à Lens, on se dit, ouais, on va remplacer Cheikh Doucouré par un milieu de terrain de Clermont, qu'on ne connaît pas vraiment, qui a une saison en Ligue 1. Bah, la réalité, c'est qu'il est très, très bon. Et surtout, il est très mature dans son jeu. Il s'est adapté de superbe façon. Donc, Seko Fofana a fait une bonne première partie de saison qui a été perturbée par une blessure, puis peut-être aussi la fin du mercato avec toutes les tergiversations autour de son départ, la prolongation. Mais on peut dire que c'est mérité pour Salis Abdoul Samed qui a fait une première partie exceptionnelle, vraiment. Dylan qui fait « Il n'y a pas débat, hein, Abdoul Samed, c'est une pépite. Au mois d'août, tu avais très peur avec la perte de Doucouré, mais en 3 matchs, tu l'avais déjà oublié. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Tiens, on a Samuel du 62 qui fait « Ah oui, mais Doucouré, il revient quand il veut en complémentarité de Abdoul et Fofana. » Et imagine la triplette Fofana, Samed, Doucouré. Ce ne serait pas très équilibré, mais ça ferait rêver. Elle est belle. Elle fait saliver. C'est pas mal. Allez, le lance-foot d'or. Attaquant, on y va. Verdict pour qui les supporters ont voté. Il n'y a pas débat, il n'y a pas photo sur ces 15 premières journées. La régularité, j'ai envie de te dire, paye, hein, c'est ça, messieurs. Hein. Florian Sotoka, 70%, donc élu lance-foot d'or attaquant. Openda, 16%, deuxième et troisième, donc Saïd. Franchement, Jean-Guy. Oui, ben encore une fois, c'est la régularité, comme tu l'as dit. Au-delà de cette régularité, c'est un joueur qui est apprécié, dépense d'énergie énorme. La saison dernière ou les saisons précédentes, on disait que l'efficacité n'était pas toujours au rendez-vous. Et là, il a su, j'ai pas le ratio, hein, mais au niveau occasion-but, il a été très efficace, il a fait du bien, il a mis des buts aussi assez exceptionnels. On n'attendait peut-être pas. Donc, dans l'efficacité, encore une fois, tout en gardant cette volonté qu'il a, parce que c'est son ADN,
sur le travail défensif et de replacement pour le travail défensif collectif. Donc, lui aussi, c'est une marge de progression. Alors, il n'est pas jeune, mais c'est aussi une marge de progression. Je sens aussi de la confiance, plus de confiance, même s'il en avait déjà précédemment, sur des prises de risque, sur des gestes que, bah, que j'aurais, j'aurais, je pensais qu'il n'aurait pas forcément été capable de réaliser sur l'aspect technique. Moi, je suis assez d'accord. J'ai toujours été un gros défenseur de Sotoka, même en Ligue 2, quand il avait un rôle de pur attaquant qui, où il était vraiment en difficulté. Mais c'est un joueur généreux. Moi, j'adore vraiment ce gars parce que je pense que c'est un des joueurs les moins forts individuellement de l'équipe. Mais pour autant, quand il se met au service du collectif, il est indispensable. Et je pense que, j'ai pas regardé les stats avant de faire l'émission, mais le nombre de fois où il était titulaire, il est colossal. C'est-à-dire que devant, tu as quand même Openda Saïd, ça peut être du très lourd. Et t'as Sotoka qui est toujours là et il fait un boulot colossal. Et je rejoins Jean-Guy, il a progressé encore à son âge, techniquement, parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire, ses remises en une touche de balle ou ses passes des ou les buts qu'il peut mettre sur d'instinct, ce qui reste frustrant avec ce joueur, c'est qu'il est capable de louper un ballon à 6 mètres du but avec le gardien qui est déjà couché d'un côté. Mais à côté de ça, effectivement, c'est un joueur qui est tellement complet et tellement important dans le dispositif tactique. Moi, quand je le vois à la 90e faire des sprints de 70 mètres pour venir surplacer, c'est un mec en or, quoi. Donc, heureusement qu'on l'a chez nous. Ouais, on le salue Flo, parce que je sais qu'il regarde l'émission. Donc voilà, on te salue, on te fait un gros bisou. Enfin là, à mon avis, il ne doit pas la regarder parce qu'il est en vacances. J'ai vu qu'il était, il était loin. Ouais, pas mal. L'autre côté du globe. Mais Sotoka, c'est clairement pour moi le symbole du retour du Racing Club de Lens au haut niveau, à tout niveau. Pardon. C'est-à-dire dans la générosité, dans la progression aussi. C'est-à-dire que pour moi, le Sotoka qu'on voit aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui qu'on a vu la première année en Ligue 2 et qui était si contesté à l'époque. Il a travaillé à tout niveau, dans la finition, dans la passe, dans le collectif. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce type de parcours. Enfin, pour moi, c'est des parcours qui doivent être inspirants pour des footballeurs comme d'autres. Hein. On pourrait parler de Jonathan Gradit aussi, des joueurs qui sont arrivés sur le tard, qui se disent à 25, 26 ans, ils sont en Ligue 2. Est-ce qu'ils arriveront à percer plus haut? Bah, aujourd'hui, Florian Sotoka, c'est un joueur majeur du deuxième de Ligue 1 qui a mérité d'être deuxième de Ligue 1. Donc, fantastique première partie de saison et on espère l'avoir encore longtemps parce que c'est un joueur essentiel dans le sens où, en plus de ça, dans le jeu, il est tellement difficile à prendre pour marquage parce que tu lui mets un joueur, mais c'est-à-dire que des fois, il va se retrouver en 9, des fois, il est milieu défensif, des fois, il est en 10, des fois, il est sur un côté. Il est tellement généreux que ça déjoue aussi le système adverse. Donc, c'est un joueur extrêmement précieux et on espère l'avoir encore de longues années avec le maillot lensois. Parce que, encore une fois, cette année, il n'était pas forcément prévu pour être titulaire. Il y a Openda qui arrive, il y a Adam Buxa qui a aussi été signé. Et vu l'investissement, ce n'était probablement pas pour être sur le banc, et encore moins à l'infirmerie. Et il a réussi à déjouer un peu les pronostics une nouvelle fois. Donc, bravo. Toute proportion gardée, parce que je n'aime pas les comparaisons, il fait penser dans la mentalité à Tony Vérel. Ouais. C'est un garçon qui lâche jamais, c'est un casse-couille pour les défenses adverses, comme tu dis, on sait jamais, il va être cuit, non, il va repartir, bon voilà, sur l'aspect défensif, il revient, et cette générosité, voilà, me fait penser forcément. Hyper généreux, voilà. On a Otis Blue qui écrit, et Florian a un rôle important dans le vestiaire, c'est un lieutenant, on peut aller à la guerre avec lui, c'est vrai que je trouve que c'est très bien écrit. Et en dehors du vestiaire aussi, Ouais, c'est ça. C'est vraiment un mec très investi localement, qui est hyper disponible et qui fait énormément de choses. Le lance-foot d'or, les amis. Maintenant, pour terminer cette petite cérémonie du lance-foot d'or, avant de parler de l'équipe de France en 10 minutes, on va revenir donc sur le lance-foot d'or du plus beau match, les copains. Et donc, dans le lance-foot d'or des plus beaux matchs, nous avions. Alors, normalement, je devrais le retrouver. Bougez pas, on devrait arriver. Alors, regardez, attention, la réponse, verdict. Norman est parti. Bon, il va revenir, il va arriver dans quelques instants. Fais gaffe, Rémi, je t'ai vu là. Tu crois que je t'ai pas vu? C'est pas un nude en plus, malheureusement. Sans déconner. Bon. Alors, attention, donc lance foot d'or, les copains. Donc, du plus beau match. Ah, Norman est revenu. On va le remettre. Oui, t'es là, mon nono. Voilà, il est là. Donc, lance foot d'or du plus beau match est attribué à... Attention.
Lorient. Eh bien, c'est Lens-Lorient. Lens-Lorient, et regardez, il n'y a pas eu débat non plus. Je pensais que ça allait être un peu plus serré. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Franchement, je ne m'attendais pas à un plébiscite comme ça. Lens-Lorient, 65% des votes pour ce match. Ensuite, on a contre Monaco, 19%. Marseille, 3e avec 11%. Et Rennes, donc un tout petit 5% pour ce Lens-Foot d'Or du plus beau match de ces 15 premières journées. Messieurs... Norman, t'aurais misé Lorient, tu mettais une pièce sur Lorient? Ah oui, moi j'aurais mis Lorient sans hésiter parce que sur les autres matchs, Monaco, bon c'est loin et c'est en début de saison, Monaco n'était pas extraordinaire. À la maison contre Rennes, j'ai trouvé Rennes extrêmement fébrile, défensif, et à Marseille, on a fait un gros match défensif, mais c'est pas forcément le match le plus abouti de l'équipe. En revanche, Lorient, pour moi c'est la plus belle équipe que j'ai vu jouer à Bollard, c'est une équipe joueuse. Et c'est une équipe qui a toujours essayé de venir. Ils en prennent 5 parce que, non pas qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ont joué jusqu'au bout, ils ont essayé de revenir au score, ils ont essayé de produire du jeu plutôt que de bétonner derrière et d'attendre. On se fait peur, hein, de mémoire, le scénario c'est qu'on revient à 2-2. Enfin, ça fait 2-2 à la mi-temps, je crois. Et moi j'ai vu une très très belle équipe de Lorient et pour le coup j'ai vu une équipe de Lens qui s'est mis au niveau. Donc je suis pas surpris que ce match soit choisi parce qu'en plus de mémoire, c'est ce soir-là qu'on fait la prolongation de Fofana. C'est un match extraordinaire. Je me rappelle au stade, c'était merveilleux. Il y avait une ambiance de fou parce qu'on bat Lorient, qui est une super équipe et qui est vraiment l'équipe surprise de ce début de saison. Et on a vu un after dans la soirée avec la prolongation de Fofana. Tout avait été magique. Donc voilà, pour moi, c'est le match référence de Lens. Et pour qu'il y ait un beau match, il faut qu'il y ait deux belles équipes et c'était le cas ce soir-là. Rémi. Ouais, clairement, c'est ce que dit Norman à l'instant. Deux belles équipes. C'est-à-dire que sur les autres matchs, Rennes, j'avais pas trouvé ça exceptionnel. À Marseille, on a énormément souffert et on a réussi en deuxième mi-temps à marquer ce but parce que la première, c'était défensivement où il y avait eu un Danso qui était assez incroyable notamment. Et c'est vrai que Lens-Lorient, bah, c'est les deux équipes, pas surprise, mais presque. Enfin, je veux dire, Lorient aussi, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Et avoir battu cette équipe, je veux dire, je crois que ça a été leur seule défaite quasiment pendant 10 journées. Et 5-2 en plus contre Lorient. Donc c'est un score significatif face à ce qui était à ce moment-là une des meilleures équipes de Ligue 1, en tout cas qui faisait l'un des meilleurs débuts de saison. Et on a vu deux équipes qui ont joué un jeu vers l'avant. C'était agréable à voir parce que vraiment cette équipe de Lorient, bah, Régis Lebris, il applique quasiment la même méthode que Francais. C'est-à-dire un jeu avec de l'effort, avec des pistons, avec t'as envie de venir voir jouer cette équipe de Lorient. Donc c'était une très belle affiche de Ligue 1. Pour moi, ça va même être l'un des meilleurs matchs de Ligue 1 de ce début de saison. Oui. Et puis bon, c'est de pied aussi, quoi. À la fin, tu gagnes 5-2, donc il y a 7 buts. Je pense que t'es un fan de foot, ni pour Lens, ni pour Lorient. T'as passé une bonne soirée, quoi. Donc non, c'était un match vraiment... Puis je pense l'un des matchs aussi fondateurs qui montrait que cette équipe de Lens, elle était partie pour faire une première partie de saison assez forte. Parce que quand Lorient arrivait à Lens, Lorient arrivait avec quelques certitudes, elles ont volé en éclats. 20h10, les Lens Foot d'Or, c'est terminé. On va enchaîner, les amis, avec... Je rappelle des titres sur France Info. Non. ça faisait un peu ça. Spécial Coupe du Monde, les amis, on va suivre Cyril, tu vas te faire couper les oreilles par un poste que tu n'as pas nommé, je t'annonce. Mais par bon, qui même si, par quel poste même, bah, je sais pas, il y en a un. Sûr. Gardien. Bah oui, non mais bah, il sent pas, il est lance foot d'or automatiquement. Oui, on peut lui mettre un foot d'honneur. Un foot d'honneur. Ouais. Ah, un petit mot, tiens, bah, Jean-Guy, sur Samba, vas-y. Bah, je vous l'ai dit, l'année de la stabilité. Alors, Jean-Louis avait d'autres qualités, hein, enfin, toujours, il les a toujours, mais c'est vrai qu'on en a parlé, beaucoup de sérénité, beaucoup de flegme et de relance aussi au pied. Donc, je pense que ça a stabilisé aussi et ça a remis de la confiance. Et puis, il a fait aussi des arrêts à des moments très importants qui ont permis à Lens, bah, que ce soit Lorient, vous venez d'en parler, mais sur d'autres matchs, qui ont permis à Lens de rester dans le match. Tiens, message, ça fait toujours plaisir, ça. Tony qui fait Jean-Guy Wallem, merci pour tout ce que tu as fait à Lens. Voilà. Ça fait plaisir, c'est, ça. C'est pas Tony Verrel, hein, je pense pas. Non, c'est pas Tony Gomes. On salue Tony. Bien sûr, on le salue. On le salue, le El Tony. Bon, les copains, on passe mode Coupe du Monde. Là, on a 10 minutes pour parler de cette Coupe du Monde du Qatar. Alors, avant de revenir sur les Bleus, un petit résumé rapidos. Hier, vous avez regardé le match d'ouverture ou pas? Oui. Ouais, non. Bon, 2-0.
2-0 pour l'Équateur face au Qatar, il n'y a pas photo. Ensuite, l'Angleterre, là, gros carton de l'Angleterre ce matin, 6-2. Bon, ok, ils ont joué l'Iran. On va se calmer quand même. Mais bon, 6-2, voilà, ils ont bien réussi leur démarrage Coupe du Monde. Les États-Unis jouent en ce moment contre le Pays de Galles, pour l'instant, 12e minute de jeu, 0-0. Et les Pays-Bas l'ont emporté tout à l'heure là, face au Sénégal. On l'attendait avec beaucoup d'impatience ce match là, pour tous les passionnés. Sénégal-Pays-Bas, donc 2-0, victoire du Pays-Bas. Donc, on change de maillot. On range le maillot sang et or pour le bleu-blanc-rouge. L'info principale côté équipe de France, messieurs, c'est le forfait de Karim Benzema. Quelle vie sans Benzema devant Rémi ? Bah, la même vie qu'en 2018. Je m'en doutais qu'il allait me sortir ça. Voilà, voilà, j'ai répondu. Une belle vie. Ok, super, une belle vie quoi. C'est-à-dire non quoi, mais une belle vie. Non, c'est vrai que des fois je fais long, je me suis dit allez hop. Ce qui est frustrant sur ça, sur Benzema, c'est que t'as quand même le Ballon d'Or, certainement l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement qui peut pas jouer. Et pour autant, je rejoins Rémi, c'est que bah, t'as pas moins de possibilités qu'en 2018. Tu sors quand même champion du monde en ayant marqué quand même pas mal de buts sur le tournoi. Donc pas d'inquiétude particulière. Moi je suis déçu pour le bonhomme parce qu'il méritait de faire une vraie belle Coupe du Monde et éventuellement de briller un peu parce qu'il n'a jamais eu cette occasion en équipe de France. C'est dommage pour lui parce que je pense que c'est pour le coup sa dernière. Il n'en refera pas, hein. Il est plutôt jeune le garçon. Donc je suis déçu pour l'homme, pour le joueur de foot parce qu'il le méritait. Maintenant, je ne suis pas très inquiet pour l'équipe de France. C'est une Coupe du Monde, on peut dire tout ce qu'on veut, hein. On est d'accord, il n'y a pas de langue de bois ici. Vas-y. Bon, donc c'est une Coupe du Monde au rabais, à une époque où franchement, moi je pouvais faire manger de la tartiflette avec les copains plutôt que d'aller regarder un match de foot. Il suffit de voir le niveau du Qatar hier, le match d'ouverture, pour se rendre compte que c'est pas un pays de foot. À la 55e, le stade était vide, les gens sont partis. Non mais il y a 25 000 personnes qui sont parties à la 55e. Et sur place, moi j'ai des potes qui sont là-bas qui me disent, raconte un peu ce qui se passe, c'est juste pas possible, enfin, il faut vite passer à autre chose. Donc si l'équipe de France a la bonne idée de se faire éliminer rapidement, je leur en voudrais pas, parce que je suis pas certain qu'on soit très joyeux de gagner cette Coupe du Monde. Voilà. Ouais, et puis il y a un truc qui est triste, je rebondis sur ce que dit Norman, parce que la Coupe du Monde c'est le marqueur du début de l'été en temps normal, c'est-à-dire au mois de juin, c'est un truc fédérateur, on se retrouve dehors, on va boire des cafés, bières en terrasse le soir. Et là, on se retrouve avec des matchs à 11h, 15h, au beau milieu du mois de novembre où il fait 5 degrés. C'est, enfin, c'est terrible. C'est pas ça la Coupe du Monde, vraiment. Et je trouve qu'on perd quelque chose. Et puis, avec toutes les polémiques derrière, et des polémiques qui sont justifiées sur les droits humains, sur la légitimité de ce qui se passe là-bas, sur l'attribution de cette Coupe du Monde, c'est un peu malheureux. Après, parce qu'on devrait se concentrer sur le sport. Après, est-ce qu'on peut juste, Jean-Guy, avoir un avis, parce que tu as été joueur, tu es entraîneur. On voit le nombre de blessés, qui pour moi n'est pas un hasard. C'est pas des mecs qui sont en plus des novices, tu vois. T'as un nombre de blessés sur des joueurs, on va dire, matures, qui ont l'habitude des grandes compétitions d'enchaîner les matchs. Le fait de partir comme ça, en plein soleil, alors que tu étais sur une température, on va dire, en baisse dans ton championnat. Le fait d'enchaîner sur un mois de décembre où habituellement tu es plutôt light et tu as une trêve. Est-ce que ça joue vraiment sur les organismes ? Est-ce qu'on n'est pas en train de flinguer la deuxième partie de saison de tous les championnats européens ? Je peux pas te le dire maintenant, on le saura au retour, hein, parce qu'il n'y aura pas de trêve, puisqu'ils vont rattaquer. Moi, je pense que c'est plus ça, je pense que c'est plus quand ils vont revenir, alors combien de temps ça va durer. C'est là, parce qu'ils vont faire ce qu'ils appellent le Boxing Day, ce qui se passe en Angleterre d'habitude. Donc c'est là que ça va cuiner, à mon avis. Hein. Donc, maintenant, je reviens sur Benzema. J'ai juste un bémol par rapport à ce que vous disiez, c'est que oui, l'équipe de France a fonctionné sans lui. Il y a des attaquants, on en parlera, hein. Il y a des attaquants qui sont sur d'autres qualités. Moi, le petit bémol, c'est que, bon, Pogba, Kanté, on ne va pas les faire revenir, ils ne sont pas là. Le milieu de terrain ne sera pas le même. Et je pense que Benzema, à 100%, aurait pu avoir cette efficacité qui est peut-être le seul à avoir dans les 18 mètres, dans les 20 derniers mètres, et débloquer certains matchs qui vont être fermés. Bon, l'Australie, ça va être le premier déjà. Bon, voilà, il y aura Tchouaméni, il y aura Kamaninga, il y aura, bon, voilà, Virtus. Enfin, il y a d'autres profils. Mais manque d'expérience, on va en parler certainement après. Mais l'attaque, Giroud va faire le taf, Griezmann, Mbappé et consorts. Bon, on sait que Mansa va vite, on sait que il y aura d'autres profils. Mais je pense que, au vu, et tu l'as dit, Norman, de la qualité des équipes qu'il va y avoir en face, où ça va, à mon avis, bétonner un peu plus, un Benzema aurait pu être
très intéressant. Maintenant, on va pas revenir, on va pas pleurer, c'est pas parler des choses qui vont pas se passer puisqu'il n'est pas là. Donc, vous voyez, il faudra travailler différemment. Vous voyez quelle attaque là face à l'Australie demain? Bah, moi, je pense qu'il va mettre de la vitesse. Alors, Dembélé ou Coman, mais certainement Dembélé. Il va faire reculer Griezmann, certainement en numéro 10. Bon, qui viendra travailler au milieu de terrain avec Mbappé, un peu plus travailleur. Voilà. Bon, et Giroud en pointe. Donc, ce n'est, entre guillemets, même s'il faut gagner ce match-là, ce n'est que l'Australie. Et il y a 4 ans, ça n'a pas été facile contre eux. Donc, il ne faut certainement pas sous-estimer cette équipe-là. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Un Benzema qui est vraiment un tueur dans la surface, avec des gestes qui lui appartiennent vraiment, aurait pu avoir cette qualité supplémentaire, même si offensivement, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Alors, côté défense, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes quand même pour Raphaël Varane. Il y avait de grosses inquiétudes sur lui. Il devrait tenir sa place contre l'Australie, même s'il s'est entraîné à part. Hein. Il ne s'est pas entraîné collectivement. Je t'interromps parce qu'il y a l'équipe à l'instant qui dit que la charnière centrale demain sera Upamecano, Konaté et que Raphaël Varane sera sur le banc. Voilà, c'est l'information de l'équipe à l'instant qui donne. Dis que c'est pour ça que tu regardais ton téléphone depuis tout à l'heure. Exactement, j'attendais. Il attendait la notif. Et voilà, dans un grand professionnalisme depuis tout à l'heure, je suis en train Je te sauve. Vous voyez, j'actualise comme ça, je fais ça depuis tout à l'heure. Ouais, et voilà, bien. Donc voilà l'information directe. Et un autre truc, c'est que je pense qu'on l'a peut-être un peu zappé, mais il y a le tirage de la Coupe de France. Oui, il y a la Coupe de France là, si quelqu'un sait ce que l'on se tire. Bah, et donc c'est pour ça j'actualise aussi arrête ta comédie, sinon je te vire, je te mets un carton rouge, arrête de me prendre des jambons. On va avoir le tirage en direct de la Coupe de France. Regarde, j'actualise, je suis là. Et dans quel groupe on est, le RC Lens, tu l'as vu ou pas? Dans le groupe B pour la 8e de finale de Ligue des Champions. Oh là là, mais tu sais même pas de quoi je parle, putain, sans déconner. Non, je sais pas, non, je l'ai pas là. Si, il y a des groupes pour le tirage. Mais pour revenir à la charnière centrale, Varane, vas-y. C'est très bien de le laisser au repos parce que il a quand même pris une blessure qui est pas anodine. Le faire revenir comme ça et le faire enchaîner les matchs, donc c'est bien si on peut se payer le luxe de garder un ou deux matchs avec Varane en repos ou le faire rentrer vraiment en toute fin de match, c'est plutôt rassurant pour nous et pour lui. Pour moi, Cyril, tu l'avais dit dans le conducteur, si on revient au conducteur, les repasser à 4, pour moi, ça dépend beaucoup de Raphaël. Parce que bon, les deux garçons qui vont être alignés, il n'y a pas de problème, hein, ils jouent dans des grands clubs, mais il y a des repères, il y a une cohésion à avoir, des affinités à avoir. Et bon, alors ce n'est que l'Australie. Alors, il risque plus d'y avoir des contre-attaques de la part des Australiens. Je ne connais pas forcément l'équipe, si ça va vite en face, mais ils vont certainement jouer très bas et contrer les Français. Donc, il va falloir être très patient et très attentif défensivement, mais puisqu'on avait parlé de ça, de passer de 5 à 4, pour moi, ça passe beaucoup par la titularisation et la forme de Raphaël, parce que lui a l'habitude de jouer comme ça. Sinon, ça va faire beaucoup de changements, même si c'est des professionnels et qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, même si l'équipe de France joue à 5 depuis un moment. Mais je pense que Raphaël est la pierre angulaire sur cette défense à 4. Alors, concernant la Coupe de France, on est dans le groupe avec le RC Lens se trouve avec 4 adversaires, les amis, potentiels de Ligue 1. Dont Lille. Oui. Yes. Oui. Oh, c'est bon. Oh, ça serait bon, ça. Un petit Lens-Lille, là. Oh là là. Il y a également Auxerre, 3 et Reims en potentiel Ligue 1. On retrouve aussi 3 équipes de Ligue 2, dont Valenciennes, mais aussi Amiens, de Gaël Kakuta. Paris FC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ensuite, il y a Dunkerque. Bon, après, c'est des équipes de N2, N3, R1. Donc, on va surveiller ça de près. Si ça tombe, à mon avis, ça ne va pas tomber avant la fin de l'émission. Après, honnêtement, ce serait bien d'avoir un match un peu plus tranquille parce que non, ça peut permettre de faire tourner un peu. Ça peut permettre de faire tourner un peu. Le derby, on peut l'avoir en demi-finale ou au Stade de France. Alors, on tape les Lillois dès le début. On termine avec une question simple. Peut-on craindre le match piège là, face à l'Australie, Rémi? Arrête avec ton téléphone, non mais lui est. Je suis en actualisé en plus, hein. Non, c'est pas en plus. Alors, le match piège face à l'Australie ou pas? Pour toi. Premier match de Coupe du Monde, on sait que c'est jamais simple de démarrer une compétition comme ça, de se mettre en jambes, de se mettre dedans, d'avoir un peu de pression. Je pense que ça va être un match compliqué et il faut pas s'attendre. C'est vrai que les premiers matchs de compétition, on est tous là excités à se dire voilà, on a envie de voir l'équipe de France en phase réelle. C'est souvent assez déceptif.
Donc, de part et d'autre, je pense que ça va être compliqué. En plus, c'est une équipe pour. Il y aura de l'enjeu. Pour certains joueurs, c'est compliqué parce qu'ils n'étaient pas forcément attendus. La charnière centrale qu'on vient de citer, les milieux de terrain, bref, pour certains, il y a aussi peut-être un peu d'appréhension. Je pense au milieu de terrain, si c'est Tchouaméni, Rabiot, pour eux, ben voilà, c'est des matchs qui vont être. Ça peut être un peu crispant au début de rencontre. Ouais. Mais en soi, ça doit passer. Enfin, il faut, même pour la confiance. C'est l'équipe de France qui doit aller chercher la confiance parce que elle est ternie de par des dernières prestations qui ont été très compliquées, de par les blessures, de par le contexte autour de cette équipe de France. Je veux dire, il y a eu beaucoup de polémiques quand on pense aux révélations autour de la Fédération française de football, autour du président. Bref, c'est tout un contexte autour de l'équipe de France qui est très négatif. Et c'est vrai qu'une victoire demain, même à l'arraché 1-0, moi, ce que je pense, elle sera très bénéfique parce qu'elle permettra d'enclencher au moins une dynamique positive. Et un résultat contraire, c'est un match nul et encore pire, une défaite. Là, on rentre dans une spirale qui est déjà compliquée et ce sera encore pire. Un petit pronostic, messieurs, sur ce France-Australie. Allez, c'est parti. Donc, Rémi, tu nous as dit 1-0 pour les Français. Et, non, mais Rémi, tu crois qu'on ne te voit pas Mais avec je suis ton. là. Mais j'actualise la page pour vous dire à tout moment. Je fais mon... À tout Alors, moment. le tirage du groupe C n'est pas du tout, n'a pas encore démarré, donc on ne l'aura pas dans l'émission. Donc, tu peux poser ton portable. Voilà. Mon nono. Ouais, malheureusement, moi, je vois un 0-0 des familles. Ah ouais? Ah ouais. Okay. Jean-Guy, pronostic France-Australie? 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Eh ben moi, j'ai mis pareil. Tu vois, j'ai joué un petit pari là. J'ai mis 2-0 pour la France. Bon, bah écoute, on verra ça. On se retrouvera bien évidemment lundi, les copains. Lundi pour débriefer donc de ce France-Australie. On va suivre les Bleus tout au long de cette Coupe du Monde. On espère que ça va passer le premier tour. Hein Ça serait bien. bah, moi, franchement, je sais pas pourquoi, mais moi perso, on va pas faire une belle Coupe du Monde. Je le sens, je le sens pas bien. On va peut-être passer le premier tour, mais je pense qu'on va vite rentrer à la maison quand même. Je sais pas. Et vous, messieurs, Jean-Guy, tu mets une pièce sur un beau parcours ou pas? Bon, je l'espère parce que bon, on sait que Oui. comme l'a dit Norman, bon, elle n'est pas forcément attrayante depuis le début. Donc, si l'équipe de France n'est plus là, il y aura forcément un peu moins de spectateurs qui suivront la Coupe du Monde, en tout cas dans le camp français. Maintenant, bon, la Tunisie, on sait que c'est toujours particulier, donc ils vont jouer C'est à pas fond. simple. Le Danemark, c'est une belle équipe aussi. Je pense que le premier match a son importance, peut-être un peu plus que d'habitude, mais aussi aux garçons qu'on attendait moins de jouer leur chance à fond. Alors même si c'est une compétition très très haute et que c'est la première fois pour certains qui vont la découvrir, mais c'est aussi à eux de prendre les clés et de se donner la meilleure des valeurs qu'ils auront à donner demain. Enfin, c'est demain, oui, demain soir. Allez Un les match qui me bleus. fait peur, c'est le match contre la Tunisie, je pense aussi, parce que c'est des matchs particuliers avec des pays qui ont une proximité, une histoire et voilà. Et donc l'idée, on peut voir une équipe qui va vouloir se dépasser face à la France parce que voilà, il y a beaucoup de liens entre les deux pays, donc ça va pas être facile, clairement. C'est vrai qu'avec tous les absents, le contexte autour de cette équipe de France que je rappelais précédemment, il y a quand même beaucoup de voyants qui sont à l'orange, voire même au rouge, mais voilà, on a quand même envie d'y croire, on a quand même envie de voir une belle Coupe du Monde et voilà, ce serait quand même beau de voir. Alors, de passer les phases de poule, je l'espère, mais c'est vrai que la suite, c'est après où ça va être peut-être un peu compliqué. Il faut que le terrain prenne le dessus sur le reste. Ouais. Voilà. C'est terminé pour ce lance-foot. Merci d'avoir été avec nous. Le mot de la fin, tiens, regarde. On a Johan qui fait un bon anniversaire à un fan de lance-foot, Axel de Lance. Voilà, bon anniversaire à toi, mon ami. Bon anniversaire, Axel. Bon anniversaire. Happy birthday. On a quelques petits pronos ou pas? J'ai vu des pronos passer. J'ai vu du Du 2-0, 3-0. du 2-1, du 1-1. 3-0, 1-1. Voilà, bon, allez les Bleus, on se retrouve donc lundi, même heure, même endroit, les copains. Passez une très très belle soirée. Bonne soirée à Paris, Nono. J'espère que tu vas passer. Hein, Bonne tu vas soirée à trouver. toutes et tous. Salut mon Rémi, salut mon Jean-Guy, bonne Et soirée. un petit Bonne soutien, soirée tout le monde. un petit soutien à Oui. l'entraîneur de Wascal qui a eu un souci là. Bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, Exactement, mais j'ai vu passer voilà. ça. Mais en Il Coupe de match de Coupe de France. s'est fait Ouais. agresser par des spectateurs lors d'un Ah match merde, merde. près de Reims. Voilà. Bon, bah soutien à lui. Bien évidemment. Passez une belle soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de liker et de vous abonner, bien évidemment, à Lance Foot et à lundi. Ciao! Salut! Ciao!